Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal en version française sur TV Plus Madagascar. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes d'information. Alors je vous invite à les suivre jusqu'à leur terme. Mais avant cela, voici les titres. L'immunité parlementaire ne s'applique pas à l'affaire de transport illégal de bois précieux dans laquelle serait impliquée une députée selon Transparency International Initiative Madagascar. En effet, si les faits sont avérés, les agissements de la députée contreviendraient à plusieurs lois et sont donc passibles de sanctions sévères malgré son statut de parlementaire. Le secteur touristique commence à revivre dans la région d'Itassi. La région regorge de sites qui peuvent être explorés pour la promotion du tourisme. Il est temps de repenser le tourisme et de restaurer les progrès réalisés en 2019, a déclaré le secrétaire général du ministère du Tourisme. Et en Chine, alors que le 20e congrès du PCC se termine samedi 22 octobre, l'économie ralentit, crise immobilière, chômage des jeunes, politique zéro Covid, environ 20% des moins de 24 ans sont au chômage. À la une de l'actualité, l'immunité parlementaire ne s'applique pas à l'affaire de transport illégal de bois précieux dans laquelle serait impliquée une députée selon Transparency International Initiative Madagascar. En effet, si les faits sont avérés, les agissements de la députée contreviendraient à plusieurs lois et sont donc passibles de sanctions sévères malgré son statut de parlementaire. Aussi, Transparency International interpelle les autorités à tous les niveaux à se pencher sur cette affaire et affirme attendre une sanction exemplaire après le traitement des dossiers dans la mesure où les soupçons d'abus de fonction portés contre les députés sont de plus en plus nombreux actuellement. Reportage de Mamti Ndjemboul sur les images de Omega Ranefson. Une prétendue autorisation de transport de bois précieux en provenance d'Ambat Njazak, pourtant en tête de l'Assemblée nationale et qui aurait été signée par une députée en exercice, a alimenté la polémique sur les réseaux sociaux. Depuis le 4 octobre 2022, un conducteur de camion a été appréhendé en possession de ce document qui était le seul justificatif de son chargement, composé de 75 matriers de palissandre. Le conducteur a été placé en détention préventive et le bois transporté saisi, mais la députée n'a pas été inquiétée. Face à cette situation, Transparency International a tiré la sonnette d'alarme en dénonçant de tels agissements et l'impunité dont jouit cette dernière. En effet, si les faits sont avérés, les manigances de la députée contreviendraient à de nombreuses règles, selon les précisions. Jusqu'à présent, l'interdiction de transport et d'exploitation de bois précieux reste toujours en vigueur, et donc, aucun député n'est habilité à autoriser un transport de bois précieux. Transparency International de dénoncer donc un abus de fonction passible de 2 à 5 ans d'emprisonnement. Aussi, l'immunité parlementaire que prennent actuellement les députés face à cette situation ne doit pas être applicable, souligne cette responsable auprès de Transparency International. Elle ne mentionnait que cette affaire n'est malheureusement pas un cas isolé. Les soupçons d'abus de fonction portés contre les députés sont de plus en plus nombreux. Des agissements qui n'entrent pas dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, donc ils ne devraient pas se prévaloir de l'immunité parlementaire. Tout parlementaire demeure pénalement responsable des actes criminels qu'il aurait commis selon toujours les précisions. Transparency International d'ajouter que l'Assemblée nationale et le bureau permanent doivent collaborer avec les autorités compétentes pour éviter que l'immunité parlementaire ne vienne entraver l'enquête en cours. Une sanction exemplaire à la suite du traitement de ces dossiers est attendue par les entités concernées dans le Bianco et le pôle anticorruption.
Les dossiers doivent bien évidemment être traités jusqu'à leur terme afin d'éviter toute impunité, selon toujours Transparency International Initiative Madagascar. Autre forme d'actualité, le district de Bechouk n'a bénéficié d'aucun éclairage public depuis des années, une situation qui a favorisé l'insécurité dans ce district, notamment les attaques de Daesh dans le cadre du développement de chaque district et de la lutte contre l'insécurité. 66 lampadaires ont été installés pour éclairer les rues principales de la commune urbaine de Bechouk. Cette initiative a été prise pour concrétiser le vèlerin du président de la République sur la lutte contre l'insécurité dans la région d'Anos, principalement la commune urbaine de Bechouk. D'après les explications du gouverneur de la région d'Anos, le maire de la commune urbaine de Bechouk a présenté ses remerciements au président de la République et au gouvernement qui n'a pas oublié la commune de Bechouk pour la mise en place de ses infrastructures d'éclairage public. Les agents communautaires du Fouktan d'Amboumarne dans la commune de Mahaville Nafoul Pointe ont bénéficié d'un renforcement de compétences dans le but d'améliorer et de diversifier les soins qu'ils peuvent fournir aux populations, à part la prise en charge des maladies qui affectent le plus couramment les femmes et les enfants. Certains d'entre eux, ayant bénéficié de formations supplémentaires, peuvent dorénavant pratiquer des injections contraceptives. Les séances de renforcement de capacités visent à faciliter et à accélérer les soins des habitants des zones éloignées. Reportage en tandem de Anchar Alarsou et de Eric Ranefsan. Les habitants du Fouktan d'Amboumanage dans la commune de Mahaville Full Point, dans le district de Touamasna 2, étaient auparavant contraints de parcourir une distance de 3 km pour rejoindre le centre de santé de base le plus proche. Les agents communautaires se chargent des soins pour les maladies courantes touchant les femmes et les enfants, tels le paludisme, la diarrhée ou les maladies respiratoires bénignes. Ils ont déjà suivi les formations relatives à ces maladies et disposent des médicaments pour le traitement. À part le traitement des affections habituelles, les agents communautaires prennent également en charge la contraception. Si auparavant, ils ne pouvaient recourir qu'aux méthodes contraceptives usuelles, maintenant certains d'entre eux, après avoir suivi des formations élargies, possèdent le savoir-faire sous l'application d'autres formes de planning familial. Ces agents communautaires sont désormais appelés des AC polyvalents. Ils peuvent effectuer des injections de Cyanapresse, une des dernières nouveautés en matière de contraception. Le centre de santé de base de Mahaville Full Point est ravitaillé en médicaments et en équipement des agents communautaires. Les agents communautaires disposent également de smartphones afin de faciliter leurs interventions auprès de la société, mais aussi pour accélérer la transmission de leurs rapports d'activité auprès des responsables hiérarchiques. Des visites pour évaluer l'état de la situation des agents communautaires en matière de progression dans les interventions et de besoins ont été effectuées dans la commune de Mahaville Full Point, dans le district de Touamasna 2. La commune d'Amboudzanaka fera partie du Grand Tana de demain, mais elle incarne en même temps le calme de la campagne, à flanc d'une des 12 collines royales de l'Imirne, à 5 minutes de Diavlo en empruntant le bypass et à 2 pas de l'école Peter Pan. La résidence d'Amboudzanaka est un projet immobilier d'exception. La société Résidence d'Amboudzanaka a pour mission d'assurer aux futurs acquéreurs une vie calme et paisible, entourée de voisins et de familles qui ont les mêmes aspirations. Investir dans cette résidence constitue un excellent placement financier dont la valeur va croître avec le temps. La société Résidence d'Amboudzanaka, promoteur du projet, présente une offre promotionnelle au Salon international de l'habitat qui a lieu jusqu'au 23 octobre au Forello Expo Tanzumat. Reportage mené par Yves Rassat et Santacha Lantou Nirinien. Ce projet de lotissement résidentiel de 4 hectares a l'avantage de proposer l'accessibilité, alliée à une vue dégagée et un cadre apaisant. La société Résidence d'Amboudzanaka a pour objectif de garantir aux futurs acquéreurs des jours tranquilles avec des voisins et partage les mêmes aspirants. Un investissement dans cette résidence constitue un excellent placement financier avec une valeur exponentielle dans le temps. La commune d'Amboudzanaka fera partie du Grand Tana de demain, mais elle incarne en même temps
le calme de la campagne, à flanc d'une des 12 collines royales de Limerne, à 5 minutes d'Yavelou, en empruntant le bypass et à 2 pas de l'école Peter Pan. Donc, pour ce salon de l'habitat 2022, nous proposons 77 lots nus prêts à bâtir la résidence Tambouïdzanak. C'est plus qu'un lotissement, c'est-à-dire en plus des commodités et des viabilisations courantes comme un lot titré et borné, compteur eau et électricité fournie, résidence clôturée et sécurisée, éclairage public solaire et VRD aux normes. Nous avons plus une homogénéité et une conformité des infrastructures et surtout la mise en place de règles de vie sociale par le biais d'un cahier de charges. Ce dernier a été pensé et rédigé par des spécialistes dans le domaine immobilier pour répondre aux besoins de familles aspirant à une vie calme, paisible, sans vis-à-vis excessif, ni pollution sonore, avec une vue à couper le souffle. Nous proposons une facilité de paiement jusqu'à un an sans intérêt. Donc, si notre projet vous intéresse, venez visiter notre stand au parc des expositions Forello durant le salon de l'habitat du 20 au 23 octobre 2022 ou bien vous pouvez nous contacter au 033 50 102 84 ou bien sur notre page Facebook La Résidence Tambouïdzanak. Maintenant, place aux actualités internationales. En Chine, alors que le 20e congrès du PCC se termine, samedi 22 octobre, l'économie ralentit, crise immobilière, chômage des jeunes, politique zéro Covid, environ 20% des moins de 24 ans sont au chômage. Reportage des correspondants de France 24 à Shanghai. Tout juste diplômé et déjà au chômage. Pourtant, Zhang Dialiang a choisi un domaine longtemps prospère en Chine, le transport maritime. Mais il ne trouve pas de travail depuis des mois. J'ai envoyé des candidatures pour plus de 70 postes. Mais je n'ai reçu que 2 ou 3 réponses pour des entretiens. Repéré avant la fin de ses études par une grande entreprise de fret, il était promis à un avenir confortable. Mais son contrat est suspendu sine die. Le secteur souffre de la politique zéro Covid. J'ai toujours pensé que ma carrière était toute tracée. Mais cette année, à cause de la pandémie, il y a trop d'incertitudes. Aujourd'hui, je ne peux pas savoir de quoi l'avenir sera fait. Comme Zhang, près de 20% des moins de 24 ans ne trouvent pas de travail en Chine, du jamais vu. Pourtant, Xi Jinping lui-même les encourage à participer au développement économique du pays. Les jeunes en Chine vivent une époque extraordinaire. Ils ont des opportunités incomparables pour faire montre de leur talent et des perspectives sans précédent pour réaliser leurs rêves. Mais beaucoup ne croient plus à ces perspectives et refusent la productivité à tout prix. Le désengagement de la jeunesse a même un nom devenu viral, tangping, soit rester couché. Sur les réseaux sociaux, ils partagent leurs désillusions. Cela fait 4 mois que je reste couché et vous? Depuis combien de temps vous êtes au chômage? Je me sens abandonné par le monde, alors je reste couché toute la journée. Face aux difficultés économiques, certains n'ont pas d'autre choix que de se débrouiller par eux-mêmes. Ancien agent immobilier, Fu Ningjie vend des brochettes pour s'en sortir. C'est de plus en plus difficile de gagner correctement sa vie. Les salaires ne sont pas aussi élevés qu'avant. Les primes baissent aussi. En plus, à Shanghai, le loyer et le coût de la vie sont très élevés. Cette crise de l'emploi pourrait encore s'aggraver avec le ralentissement de l'économie chinoise. Selon les prévisions, cette année, la Chine devrait enregistrer sa plus faible croissance depuis au moins 40 ans. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Très bonne suite au programme sur TV+, Madagascar. Au revoir.